nous avons eu à faire une analyse spirituelle de l'histoire de notre pays. Parce que nous étions en train de sentir qu'il y avait un grand combat dans le mandat du chef de l'État. Parce que nous sommes des sentinelles spirituelles. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des très bonnes idées et des très bonnes choses qu'il voulait faire pour cette nation. Mais il y avait une grande opposition. Et nous voulions comprendre l'origine. Et le Seigneur nous a montré qu'il y a une force d'inachèvement qui travaille dans cette nation pour faire échouer les mandats des présidents. Et c'est ce qui s'est passé avec tous les présidents qui sont venus avant. Et afin que nous puissions prier, pour que nous puissions désamorcer cette force, de sorte que le chef de l'État puisse réussir le mandat que Dieu lui a donné et qu'il puisse accomplir tout ce que Dieu lui avait mis à cœur pour cette nation. Voilà un peu ce qui nous a motivés, parce que l'Église est une intercesseuse et nous avons voulu rassembler tous les peuples de Dieu pour leur dire que nous devons nous mettre de nous pour prier, parce qu'il y a une force qui combat la mandature du chef de l'État pour qu'il ne puisse pas accomplir tout ce que Dieu a mis dans son cœur. Donc voilà un peu la motivation réelle de ce programme de prière.